Bonjour à tous, bienvenue dans Droit dans les yeux. Nous recevons aujourd'hui Madame Euphrasie Kouassi Yao, ancienne ministre, fondatrice et coordonnatrice nationale du Compendium des compétences féminines, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, et aussi conseillère spéciale du président de la République en charge du genre. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de cette info. C'est moi qui vous remercie. Vous venez de publier un ouvrage très personnel, Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet, aux éditions Sérap. Alors nous allons essayer de mieux vous connaître à travers ce livre parce que vous parlez de vous. Vous décrivez l'histoire d'une petite orpheline de mère, brillante élève, née à Boaké dans une famille plutôt modeste, entourée d'une fratrie de 27 enfants. Et qui, à force de travail, se voit confier des fonctions éminentes, à la fois dans le domaine politique et dans le domaine académique, les fonctions que j'ai déclinées en vous présentant tout à l'heure. Vous vous livrez dans cet ouvrage comme rarement une personnalité publique se livre. Qu'est-ce qui vous a poussé à proposer au public cette sorte de moment de vérité sur vous-même? D'abord, c'était pour dire à toutes les personnes qui sont avec moi que je peux appeler mes fans, parce que ça fait quand même 10 ans que je gère le programme Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, dire à ces personnes que je ne suis pas née avec une cuillère dorée à la bouche. Et j'ai vécu des événements qui m'ont dit qu'il fallait m'ouvrir, qui m'ont conseillé de m'ouvrir pour pouvoir aider ces personnes. Premièrement, quand je vais aux conférences internationales, quand je m'exprime, quand je fais une conférence, quand je finis, les gens viennent vers moi. Madame, est-ce que vous avez un document? On veut en savoir un peu plus sur vous. Qu'est-ce que vous faites et tout? Je n'ai pas de document. Quand je travaille avec les femmes, je leur parle un peu de ma vie, de la conciliation entre ma vie familiale et ma vie professionnelle. J'ai des témoignages énormes. Madame, je vais faire comme vous, je ne divorce plus. Donc vous pensez que votre histoire, elle peut être exemplaire pour beaucoup de femmes? Beaucoup, beaucoup. Et le livre est sorti depuis le 11 décembre. J'ai des témoignages et je suis heureuse de l'avoir fait. Et même les jeunes, hein. Les jeunes à une conférence, quand j'ai fini, ils sont venus vers moi. Madame la ministre, est-ce que vous savez que quand vous vous taisez une minute, ce sont beaucoup de jeunes que vous mettez dans les ténèbres? Donc on a envie de vous entendre. C'est Mais je ne peux formule. Pas parler 24 heures sur 24. Heureusement qu'il y a des moments qui sont faits pour ça. Vous dédicacez votre livre à votre mère, donc que pourtant vous n'avez pas connue, puisqu'elle est décédée quand vous aviez 2 ans, d'une grossesse extra-utérine. Mais c'est plus qu'une dédicace, c'est presque une lettre d'amour à votre maman. Vous pensez qu'elle a été présente tout au long de votre parcours, à vos côtés? Oui, je le pense, mais surtout, à travers, je ne l'ai pas connue, je n'ai pas vu son visage. Et donc, à travers toutes les femmes que je vois, c'est comme si je cherchais une maman. Et il fallait que je m'arrête pour parler à cette mère-là, pour lui dire ce que je suis devenue, pour lui dire ce qu'elle a été pour moi. Et je suis fière de ce que je suis, parce que toutes les femmes sont pour moi aujourd'hui des mamans. Toutes les jeunes filles, puisque je n'ai pas connu le visage de la mienne, et je me dis qu'elles représentent mes mamans. Et c'est ce qui m'a boostée. C'est ce qui m'a donné la force. Les gens me disent, mais tu t'engages. On n'a jamais aussi vu une femme aussi engagée, mais c'est aussi cela. Parce que je veux aider toutes ces femmes qui sont pour moi des mères. Alors, vous avez été élevée d'abord par la première épouse de votre papa, que vous prenez pour votre maman d'ailleurs. Puis à l'âge de 4 ans, vous rejoignez une de ses sœurs à Toumaudi, où vous êtes scolarisée. Mais pensant vous protéger, on vous a caché que vous étiez orpheline. Est-ce que vous pouvez raconter comment, à l'école, au CP et en CM2, vous découvrez vous-même que vous êtes orpheline? Ça, c'est la partie la plus difficile. C'est ce qui m'a fait... J'ai passé des nuits à pleurer et à écrire cette partie que j'avais essayé d'oublier. Alors, j'étais au CP1. Jusque-là, pour moi, c'est maman Jeanne qui est ma mère. Et j'étais au CP1, j'arrive première des classes. Donc, à l'époque, on classait, on disait le nom des meilleurs élèves. Et j'entends ma tante qui dit, voilà mon orpheline, merci Seigneur, mon orpheline est devenue première, merci Seigneur. J'ai dit, mais qui est orpheline? En temps, je savais ce que c'était qu'une orpheline en bablé, on dit Aïkaba. Moi, je ne suis pas orpheline. Je restais un peu triste et puis après, c'est passé.
C'est ça, c'est ce que je dis toujours. En notre temps, nous étions des poupées clouées. Dans ces coupées clouées, on n'était pas des coupées décalées. Les coupées décalées, là, ils vont trop vite. Pour rien dire. Et puis après, il y a eu les autres étapes au CM2. On nous envoie les fiches à écrire. C'est ça, pour l'orientation. Pour l'orientation. Donc, je prends ma fiche toute joyeuse et je remplis Kwasi Ephrasie Hortense, père Kwasi Kofi Félix, mère Kofi Amoin. Non, mais maman s'appelle Jeanne Charles. Et vous voyez ça sur votre livret de Je vois sur le livret. Et ça m'a fait, par contre, reprendre mon année de CM2. Hein, parce que là, j'ai devenu un peu plus grande. Et ainsi de suite, toutes ces choses-là, je pense qu'ils vont les découvrir dans le livre. J'explique pour que... Et mais, ça commence à toucher les enfants. Mais surtout, vous montrez à quel point c'est une violence inouïe pour vous de découvrir seule cette vérité. C'était difficile. Et en plus, je ne pouvais en parler à personne, puisque personne ne me l'a annoncé. Et à notre temps, vous savez, ici en Afrique, c'est vraiment le respect, les parents... Tu ne peux même pas leur demander ce qui se passe. Donc vous en profitez pour donner un conseil aux familles qui sont concernées. Vous écrivez, il faut dire la vérité aux orphelins. Oui, je l'ai écrit parce que même là, quand les chefs, il y a beaucoup de chefs qui ont déjà lu cet ouvrage-là, ils m'ont fait leur retour. Et puis il y a un qui m'a dit, mais ma fille, c'est ce qui est normal que tes parents ont fait. J'ai dit, papa, ce n'est pas normal. Il faut qu'on apprenne nos enfants au fur et à mesure, selon leur âge, selon la vérité que les enfants peuvent accepter, qu'on leur dise au fur et à mesure. Ils ne vont pas se tuer à 4 ans, ni à 10 ans. Donc, c'est ce que j'ai essayé de dire dans le livre. Au passage, vous vous prononcez contre la polygamie. Mais ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Je défends les questions de genre, d'égalité, des chances entre les hommes et les femmes. Et la polygamie, c'est vrai que je suis d'une famille polygame, mais je dis que c'était difficile. Voilà. Chez nous, on dit... Vous pouvez dire un peu pourquoi ? On dit, chez nous, on dit, vous êtes deux, non ? Vous êtes des frères, vous avez le même père. C'est l'enfant de la cour de mon père. Et puis l'autre qui a même père et même mère, on va te dire, c'est l'enfant de ma mère, c'est ma sœur. Mais l'autre, il va te dire, c'est l'enfant de la cour. Il y a quelque chose qui n'est ça pas... Ça crée des distinctions, ça crée des différences, des jalousies, des frustrations. C'est difficile. Et puis même nos mamans, mais c'est nous qui voyons nos mamans souffrir, même maman Jeanne, que pour moi c'est ma mère, et jusqu'aujourd'hui c'est ma mère. Je ne peux pas changer parce que c'est le seul visage que j'ai vu. Sa souffrance par rapport à cette polygamie, je l'ai vue, je l'ai entendue. Je suis partie avec elle en Israël, on a échangé. Et donc il faut qu'on regarde ça. Ça vraiment, je ne suis pas pour la polygamie, sincèrement. Alors... Autre confession de taille, j'allais dire intime, que vous faites dans ce livre, vous consacrez un chapitre entier à votre foi chrétienne et à votre amour pour la Vierge Marie. Pourquoi vous faites ça? Et est-ce que vous pensez que ça a quelque chose à voir avec votre parcours de réussite professionnelle? Oui, je l'ai fait. Là encore, j'ai un peu hésité, mais je l'ai fait parce qu'il fallait dire la vérité aux jeunes. J'ai dit que ce livre s'adresse d'abord aux jeunes. Vous savez... On doit d'abord construire la conscience, on doit construire l'esprit pour que les jeunes soient autonomes. Et moi, ce qui m'a construit, c'est ma foi en Dieu, ma foi en ce que je fais, ma foi en ceux qui sont avec nous, parce que c'est ce que le Christ nous demande. Et c'est ce que je vis dans ma vie professionnelle. Et quand j'ai découvert au fur et à mesure que maman Jeanne n'était pas ma mère biologique et que j'avais déjà, heureusement, cette maman qu'on appelle la Vierge Marie, je partais lui parler, je me confiais à elle. Je ne pouvais parler à personne sauf à elle. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai une grotte chez moi. Je prie la Vierge Marie. Mais souvent, au nom de la laïcité, on veut des modèles pour les jeunes, mais on ne leur dit pas tout. Mais comment on veut qu'ils réussissent? Moi, je me demande comment quelqu'un peut réussir. Vous dites que vous priez Dieu en toutes circonstances. En toutes circonstances et en tout temps. Et je le bénis à tout moment. Et pendant que je fais mon travail, si je ne comprends pas quelque chose, je m'arrête, je prie et je continue. Sincèrement, je ne peux pas cacher cet aspect de ma vie parce que beaucoup de femmes m'ont dit, Madame la ministre, on veut être comme vous. Les jeunes m'ont dit, on veut suivre votre exemple. Mais il faut que je leur dise tout. Cette foi qui est, vous faites une autre confession assez intime, elle vous a sauvé de votre divorce. Vous étiez en train de vous chamailler avec votre époux, vous étiez au bord du divorce, et vous dites que c'est la foi qui vous a sauvé du divorce et que vous êtes très heureuse de n'avoir pas divorcé. Je suis très heureuse de n'avoir pas divorcé parce qu'aujourd'hui, j'ai 4 enfants, 3 petits-enfants, mon mari, la famille, tout va bien. Et quand j'ai eu mes chocs les plus durs, c'est mon mari qui m'a soutenue. Je me disais, mais et si en son temps,
Quand j'avais commencé à devenir leader, où je n'avais Dieu que pour mon travail, j'ai commencé à négliger mon mari. Et c'est là qu'il y a eu les problèmes. Et mon oncle est intervenu pour me dire, attention. C'est Dieu et un vieil oncle qui vous a... qui il se sont ligués. Il est là, il est ce jeune oncle, il est encore là, il est tout heureux. Quand il a eu le livre, il m'a dit, mais ma fille, il faut dédicacer plusieurs pour tes frères. Il était tout heureux. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit pour... Parce que ça, c'est un moment très important dans votre livre. Et je pense que c'est aussi parmi les retours que vous avez... des témoignages qui vont dans ce sens. Il vous a dit quoi pour vous dire il ne faut pas divorcer? Il m'a dit, ma fille, tu es appelée à être leader. Et en plus, tu es en train de développer une approche qui prône l'équité, la paix, la justice. La paix commence dans le foyer. Je pense que tu peux encore faire des efforts pour conserver ton foyer, pour servir de modèle. Aujourd'hui, quand on dit que le monde est en train de se perdre, mais c'est parce que la famille même qui est le socle ne marche pas. Alors, les mêmes sacrifices que tu fais pour ton travail, pour être leader, fais les mêmes sacrifices pour que tu puisses réussir. Et j'ai interrogé mon Seigneur et j'ai vu que c'était la vérité. Et je me suis mise à la place que je devais prendre. Et au même moment, mon mari aussi souffrait de cette situation difficile. Et on s'est remis ensemble. Aujourd'hui, on est d'accord que plus jamais on ne divorcera parce qu'on a vu ce qui était bon. C'est qu'on a failli, on a raté, enfin, de justesse. Et aujourd'hui, on est heureux tous ensemble avec nos petits-enfants. Dans votre livre, on lit des mots comme altruisme, bien-être d'autrui, aimer les autres, donner à son prochain, servir, servir et encore servir. Ce sont des mots que l'on pense pouvoir plutôt entendre chez des religieux et pas forcément chez des impolitiques. Est-ce que ça vous a effleuré d'entrer dans les ordres, par exemple? Pas vraiment. Vous savez, j'ai quand même enseigné au lycée Sainte-Marie. Hein. Mm-hmm. Voilà, j'ai beaucoup côtoyé les religieux. Et puis le message, il est universel, non? Ça dit que servir, aimer les autres, les accompagner, et ça donne la vie. Ça, ça dépend. Pourquoi est-ce que j'aime servir, aider les autres? Parce que ça dépend de moi. Si je veux aider mon frère qui est en face de moi, c'est moi qui décide. Mais si j'attends que mon frère vienne m'aider, là, ce n'est pas ma décision. Donc, c'est un message universel que le Christ a apporté, parce que moi, je suis chrétienne, donc je parle du Christ. Et c'est pareil pour un musulman qui parlera d'Allah. Et ce que Dieu a apporté et qui est la vérité unique, ce qu'on ne peut pas acheter. Vous savez, il y a un grand homme à qui, pour faire les vœux, je lui ai dit, cette année, je souhaite que Dieu vous accorde ce que les hommes ne peuvent pas vous donner. Vous voyez? Parce que l'homme a des limites. Si rien ne va, essayons de rentrer en nous-mêmes, d'interroger notre foi, d'interroger ce que... Il y a trop de choses qu'on achète avec de l'argent, mais il y a des valeurs qu'on ne peut pas acheter. Et moi, Ephrasie Yao, je me suis mis sur ces valeurs pour avancer. Donc, il faut que les jeunes le sachent. Il faut que je m'ouvre. Alors, on avance dans votre parcours. Après le bac, vous êtes orienté à la faculté de lettres en histoire-géographie, alors que vous auriez voulu être médecin. Et donc, vous devenez professeur d'histoire-géo, vous venez de le dire, au lycée Sainte-Marie de Cocody. Pourtant, vous n'êtes plus professeur au lycée Sainte-Marie. Donc, qu'est-ce qui vous a fait bifurquer vers la cause qui, finalement, va vous tenir toute votre vie, qui est celle de la place de la femme et de l'égalité des sexes dans la société? Qu'est-ce qui vous fait dévier? Là encore, j'ai eu une main divine. En fait, je voulais être médecin. C'était la même chose pour servir, pour aider, pour sauver. Je n'ai pas pu. Moi, j'appelle ça la providence divine. On m'a orienté en histoire-géo là-bas. J'ai excellé. Et puis, je suis allée au lycée Sainte-Marie. J'ai encadré. Les religieuses m'ont demandé d'encadrer les jeunes filles. Je n'enseignais plus. Et pendant l'encadrement, j'ai rencontré une dame qu'on appelle Madame Lagou-Henriette. Et cette dame-là, elle m'a dit, viens aider les femmes rurales. Tu as trop aidé les jeunes filles. Viens aider les femmes rurales. Et je suis allée pour aider les femmes rurales. Et c'est de là-bas que toute cette vocation est née. Il se trouve que cette dame a été nommée ministre à la fin des années 90 et qu'elle vous a demandé de la rejoindre à son cabinet. Exactement. Et c'est comme ça que vous avez commencé à travailler. Donc, elle était ministre des femmes, hein, oui. Femme, enfant. Voilà, elle était ministre des femmes. Et puis, quand j'ai découvert la projante... Et c'est comme ça qu'elle vous a sorti de l'enseignement pour... pour travailler à temps plein, on va dire, au service du développement des femmes. Oui, et vous avez vu qu'à chaque fois aussi, quand je prends ces valeurs-là, il y a une mère
Il y a une providence divine. Parce que ce n'est pas moi qui ai demandé à Mme Lagou que je vais travailler au ministère, c'est elle qui m'a appelée. Ce n'est pas moi qui ai demandé aux autres femmes de me nommer à tous ces postes. Moi, je l'ai dit aussi dedans. Il y a une mère qui vient parce que tu es focus sur l'autre, sur ton prochain, sur la communauté, sur le bien de l'autre. Et toujours, il y a quelque chose. Tu ne luttes pas, en fait. Tu ne luttes pas. Ça s'est fait naturellement. Ça se fait naturellement parce que tu as pris des valeurs. On va faire une courte pause pour laisser la place au journal. On se retrouve juste après.